C'est bon? Oui, c'est bon. Si vous lancez QDA Miner, il y a deux options. Vous prenez la version gratuite. On va suivre d'abord ou bien on va On va suivre d'abord. Donc, si vous prenez l'option gratuite, la version gratuite, on a trois choix. Ou bien on crée un nouveau projet, ou bien on ouvre un projet existant, ou bien on ouvre un projet récemment ouvert. Dans notre cas, on va créer un nouveau projet. OK. Pour créer un nouveau projet également, il y a plusieurs options. On peut créer à partir des documents, images. Mais oh. Oui. Le stade auquel on a allé commencer là. Nous autres, on est très fragiles pour comprendre ça. Allez-y, posez la question. Parce que tu es allé directement au stade de projet. Est-ce que c'est pas mieux d'aller commencer à l'interface directement? Non, c'est pour pouvoir ouvrir l'interface même. Ah, c'est pour pouvoir ouvrir l'interface qu'on est. C'est ça. Puisque tant que vous ne faites pas comme ça, vous ne pouvez même pas ouvrir l'interface. Donc, soit on crée un projet à partir des documents, comme on va le faire bientôt. Ou bien on peut créer à partir des fichiers ou des services web. Et cette option, par exemple, vous voyez, il y a plusieurs autres options. Voilà, ça peut être un fichier CSV, fichier Excel, et Access, ou bien même on peut importer d'un logiciel statistique comme SPSS ou bien Stata, si c'est une enquête qu'on a réalisée, et on veut traiter la partie des données qualitatives non structurées là. Ça veut dire telles que les questions, telles que quelles sont vos suggestions, quels commentaires pouvez-vous faire. On peut importer notre base de données, SPSS ou bien Stata, pour traiter ce type de questions. Il y a aussi, avec la version payante, c'est possible d'importer des fichiers directement de SurveyMonkey. Voilà, et bien d'autres logiciels de sondage. On peut également importer à partir des réseaux sociaux, si c'était la version payante, quoi. C'est ça. Tel que Twitter, Facebook. Par exemple, vous pouvez lancer un sondage sur Facebook. Vous lancez une thématique et dans les commentaires, les gens vont réagir beaucoup. Il y a la possibilité d'importer justement ces commentaires depuis votre page Facebook pour les traiter ici. OK. Mais ça, c'est la version payante. Il y a d'autres logiciels qualitatifs aussi. Il y a une compatibilité avec NVivo, Atlas TI, HyperRichis, ainsi de suite, d'autres logiciels d'analyse qualitative. On pouvait également importer directement à partir des logiciels de gestion de base de données bibliographiques. Ça veut dire que Nnode, Mendeley, Zotero, là. On peut prendre directement là-bas, notre base là-bas, notre fichier Zotero, par exemple, pour importer, si c'était la version payante. Mais dans notre cas, même si ce n'est pas la version payante, par exemple, notre fichier RIS, là, puisque nous, on enregistre chaque fois sous format RIS. Donc, on a la possibilité d'importer les fichiers RIS. Mais ce qui limite, par exemple, l'import avec les fichiers RIS, c'est que généralement, soit ça se limite uniquement au titre, ou bien si, par exemple, vous avez bien importé d'une source comme Scopus, si vous avez la chance, vous pouvez avoir les résumés, les abstracts là, des articles. Là, ça vous permet d'importer les fichiers RIS et de traiter à partir des abstracts là seulement. Mais dans notre cas, ce qui nous intéresse, c'est surtout les documents PDF. Donc, on va créer à partir des documents PDF. On choisit la première option. C'est bon, on sait. Oui. Combien c'est rapide? Bon, on y va, on continue. D'accord. Donc, on clique, on part chercher au fichier PDF. Si vous vous souvenez, lors de la formation sur Zotero, là, on avait dit de créer carrément un dossier Zotero. Et là, chaque fois qu'on... Non, attends, ça c'est ceux qui ont pu suivre. Hein. Nous autres, on n'a pas pu suivre. D'accord, donc vous allez suivre l'enregistrement. Donc, par exemple, ici, vous voyez mon fichier
Mon dossier Zotero, là, qui contient tous les Ouais. projets Zotero, ça y est ici. J'ai synchronisé directement avec MegaSync, mon compte MegaSync. Voilà, pour pouvoir stocker et sur mon ordinateur et dans les clouds en cas de cas. Par exemple, si l'ordinateur, là, je perds l'ordinateur ou bien ça tombe en panne, j'ai l'ensemble de ma documentation en ligne. Voilà, je vais choisir par exemple le dernier dossier là. Vous voyez, je peux importer l'ensemble du dossier en cliquant ici, importer. Vous sélectionnez le dossier contenant vos PDF et vous cliquez sur importer. Là, ça va importer automatiquement l'ensemble des documents PDF qui se trouvent dans le dossier. Comme vous pouvez aussi sélectionner quelques dossiers et vous cliquez sur ajouter. Et si vous voyez. Donc, à ce stade-là, on a en tout cas deux façons d'importer les documents. Si vous regardez ici, ce qui fait que moi, je préfère travailler directement à partir des dossiers Zotero là. Vous voyez comment c'est nommé, non? Il y a le nom de l'auteur et le titre du document, ainsi que l'année. Nom de l'auteur, année et puis titre du document. C'est ça. Ça va nous servir beaucoup par la suite. Donc, je vais importer l'ensemble. Voilà. Fichier, texte. Bon, s'il y avait des fichiers Word, on coche tout ça. Fichier PDF. Voilà. PowerPoint et ainsi de suite. Et je fais OK. Ça me donne le nombre de documents à importer. Voulez-vous importer 31 documents? Je dis oui. Voilà, ça vient de les importer. Vous les voyez ici. Ça donne la source. C'est sur mon disque C, document, dossier Zotero, sous-dossier EF2. Et puis maintenant, ça liste les documents à importer. 31. Et j'ai dit de créer maintenant mon projet. Oui. Parce que pour importer, vous voyez, ça va supprimer tout ce qui est images. Je vais même dire d'enlever le formatage et ainsi de suite. Importation rapide de PDF. Voilà. Et il y a d'autres options si c'était la version complète, la version payante. Là. Voilà. On peut aussi dire d'importer même l'emplacement, mais bon, et l'heure même. Mais ça ne nous intéresse pas. On clique. Ça nous demande, on veut stocker où? Je vais stocker sur le bureau. Je vais nommer séance EF et j'enregistre en train d'importer et c'est maintenant que l'interface du logiciel va se présenter. Vous voyez en haut directement, c'est venu projet, document, aide. C'est bon? Tant que vous ne passez pas par ces étapes-là, ça ne se présente pas. L'interface ne se présente pas. Ouais. Souvent, si on veut aller plus vite, ça veut dire qu'on pourrait renommer uniquement auteur et puis date. Là, quand on va faire nos quotations, ça sera plus facile. Mais si on a, par exemple, un auteur qui a publié plusieurs articles dans la même année, là, ça sera un peu compliqué. On ne saura pas telle quotation, par exemple, telle citation-là, on a pris de quel document de cet auteur-là. Donc, c'est pourquoi moi, je préfère garder, nommer les fichiers-là, auteur, date, titre du document. Voilà. Là, dans la suite de la rédaction, je me retrouve plus facilement, quoi. Quand je vais vouloir citer l'auteur, je sais que c'était tel document. Ah, on a fini d'importer. Donc, les documents importés viennent ici. C'est dans la case, dans la fenêtre du moins K. K. Et en dessous, il y a variable. Et après ça, maintenant, il y a la partie pour faire la codification, pour insérer le code. OK. Donc, par exemple, je vais créer... Bon, je vais lui-même laisser d'abord. Je vais laisser d'abord, on va aller directement. Pour pouvoir chercher et faire des quotations dans l'ensemble de ces documents-là, voilà. On vient seulement dans rechercher. C'est des textes que nous on recherche. Et on prend recherche des textes. Vous voyez ici,
La fenêtre qui s'affiche. OK. On va chercher... par exemple, si c'est une seule expression que vous voulez chercher, vous pouvez chercher ça dans la phrase. Ça veut dire que si moi, je vais chercher, par exemple, le mot, l'expression entreprise familiale, je cherche dans la phrase. Est-ce que vous voyez? Mais si je veux une combinaison, je veux, par exemple, la transmission dans les entreprises familiales. Vous voyez que c'est deux. Je vais chercher et entreprise familiale et transmission. Transmission, succession. Donc, en ce moment, c'est mieux de choisir l'option paragraphe. Et vous mettez l'expression ici. Je vais mettre dans recherche ici. Vous voyez qu'il y a thésaurus. La fenêtre où on met notre requête, notre expression recherchée là. Voilà. On pouvait venir là-bas. Ici, par exemple, je vais supprimer. Ou bien je garde. Je vais venir ici d'abord. La recherche avec les thésaurus. Si vous prenez, par exemple, le mot « good », vous voyez « good » ici. Si on clique dessus, ça, c'est la catégorie qu'on a créée. Oui. Voilà. « Good », là, on a associé ça à ces mots-là. « All right », écrit comme ça. All right, sous cette forme, excellent, fine, good, voilà, ainsi de suite. Ça veut dire que c'est comme si c'est des synonymes. Performance aussi, vous voyez. C'est moi, j'ai mis ça. On pouvait c'est soit... toi qui as mis oui, performance. Performance, ou bien c'est toi qui as mis les synonymes. Non, c'est moi, j'ai ajouté. J'ai ajouté performance et puis efficacité, efficience, performance, rentabilité. Tout ce qui est lié à performance là et qu'on veut rechercher, les mots associés. Voilà. Par exemple, je vais ajouter ici, je vais nommer ça EF. Et dans EF, dans la catégorie EF là, je vais dire si ça croise par exemple family business, ça n'a qu'à prendre. Si ça croise entreprise familiale, ça n'a qu'à prendre. Ça veut dire que moi, je vais rechercher avec EF, mais dans EF là, ce sont ces expressions-là que je recherche. Je recherche family business ou bien entreprise familiale. Ça me permet de réduire l'équation de recherche. Et je fais OK. C'est bon? Donc, ici, je vais dire par exemple de me rechercher EF, insert, and performance, insert. Est-ce que vous voyez? C'est comme si ça va fouiller. Ouais. Si ça trouve family business et puis performance, ça va prendre. Si ça trouve entreprise familiale et puis performance, ça prend. Ça va faire toutes les combinaisons possibles et me donner maintenant les cotations. Mais maintenant, l'explication première que tu as donnée de la performance dans Thésaurus, est-ce que ça va tenir compte de tout ça? Ça tient compte justement de ces mots-là. Efficacité et tout. Efficience, performance. Dès que ça croise entreprise familiale et puis efficacité, là, ça va prendre les paragraphes qui contiennent la combinaison de ces deux mots-là. Okay. Si ça croise entreprise familiale et puis efficience, ça garde. Et ainsi de suite. Si ça croise entreprise familiale et performance, ça garde aussi. OK. Voilà. Toutes ces combinaisons possibles. Donc, vous voyez maintenant que ça a retrouvé. Voilà. L'association là. Je vais exporter ça aussi. Regardez. On pouvait déjà supprimer ce qui ne nous intéresse pas à partir d'ici, mais bon, on va aller directement. On va exporter directement. De toute façon, dans Excel, vous pouvez faire toutes les manipulations possibles. Les paragraphes qui ne vous intéressent pas, ou bien où ce n'est pas pertinent avec ce que vous recherchez, vous supprimez seulement. Donc, par exemple, comme vous l'avez constaté, si on a une expression telle que entreprise familiale, ça veut dire que deux mots qu'on veut associer au niveau du thésaurus, là, vous faites tirer du 8. Vous associez les mots là avec tirer du 8. C'est bon? Oui. OK. Donc, voilà. Là, vous voyez un peu.
En tout cas, ça a déjà fait l'essentiel. Le reste, maintenant, ça sera comment arranger tout ça. Donc, vous voyez, by comparing the result of family businesses, performance, family businesses, performance. Est-ce que tu peux sortir ça là seulement? La Oui. cellule que tu lisais là. Mettre ça Est-ce que tu dans peux votre prendre? document Word. Oui, mettre ça sur un document Word, on va discuter de ça. Non, il ne faut pas devancer l'Ivan dans l'eau. On en arrive. Ah, ok, alors seulement Par alors. exemple, ici, vous voyez que cette première colonne-là, K, ça ne m'intéresse pas. Je vais supprimer la colonne. La colonne variable, numéro de paragraphe, nombre de résultats, ça ne m'intéresse pas. Je vais les supprimer. Les deux colonnes qui m'intéressent, c'est ça. C'est K et puis ici. C'est bon? Je vais ouvrir un document Word. Comme on a l'habitude de faire là, vous vous souvenez? Comme on a l'habitude de faire. Oui. Bon, j'arrive. OK. Donc, dans mon document Word, à supposer que c'est mon chapitre revue de littérature que je suis en train de faire, ça veut dire que la partie qu'on vient de codifier là, on va appeler ça comment? Family Business Performance. Voilà ce point-là. Donc, pour amener mes quotations ici, je repars dans mon document, dans mon fichier Excel que je viens d'exporter. Vous voyez, j'ai supprimé les colonnes inutiles. Je prends ici jusqu'à la fin. Je vais venir à la fin. Je pourrais sélectionner, bon, je vais même le faire. J'ai sélectionné ici, je fais CTRL-SHIFT, entrée. Ça va venir jusqu'à la fin. Je copie, je viens maintenant dans mon document Word. On fait collage spécial. On colle texte sans mise en forme. Voilà. Et j'ai pu m'amuser à arranger maintenant. Je vais vous montrer un peu comment ça vient. Donc, c'est ce que j'expliquais. La première colonne là, c'est ça qui vient en tête. Et comme la première colonne dans notre document, c'est auteur, nom de l'auteur, du moins la date et le titre de l'article, comme j'expliquais. Vous voyez ça? Voilà. Il doit y avoir l'espace entre ces deux. Influence on performance of listed. OK, bon, je Oui, vais. ça doit être jusque là-bas. Oui. Voilà. Donc, vous voyez, et là aussi, c'est la même chose. On copie, c'était le même document d'ailleurs. Vous identifiez seulement les portions là. Voilà. Si tout ça, ça va vous déranger, si vous êtes sûr que il n'y a pas un auteur qui a plusieurs documents dans votre base, vous pouvez renommer auteur-date. Auteur-date. Et en ce moment-là, on n'allait pas avoir tous ces trucs-là, les titres là-dedans. Donc, directement, si vous voyez l'auteur et puis la date, vous savez que ça, c'est une quotation qu'on a tirée du document de tel auteur. Est-ce que vous voyez? Ah, voilà l'autre auteur, Aziz Baba 2018, les effets. Donc, vous voyez que ça a pris dans les deux langues en ce moment-là. Voilà. Donc, si on veut exploiter, c'est mieux de passer par les thésaurus. Par exemple, ici, quand tu prends les effets des contraintes financières sur la dynamique Des des investissements. investissements des, ça veut dire que Oui. ça manque, il manque quelque chose ici. Voilà. Ça veut dire que le titre n'était pas bien nommé dans notre base. Le titre du document là. Voilà, ce n'était pas bien nommé avant qu'on importe dans QDA Miner. Voilà. Sinon, si le document est bien renommé, ça ramène systématiquement sous cette forme. Voilà l'autre document. Vous voyez que là, c'est bien nommé. Voilà l'auteur, la date, le titre du document, détresse financière et performance au sein des PME familiales. On pouvait aussi identifier par ces espaces-là.
c'est-à-dire les vides que vous voyez là. On pouvait rechercher ces vides-là pour se retrouver facilement. Mais bon, tel qu'on est en train de faire, c'est déjà pas mal. Parce que si on veut arranger, on regarde seulement si c'est bon, on veut garder la cotation. Bon, là même, c'était beaucoup. Ainsi de suite. C'est bon, on se comprend? Oui, on suit. D'accord. Donc, par exemple, pour constituer les paragraphes là, c'est comme si on a déjà nos éléments. Si c'était par exemple, tout était par exemple en français, on allait seulement arranger. Et là, si on veut citer, par exemple, moi, je vais enlever les noms de, les titres des documents là. Je pourrais même faire comme ça. Pour renommer dans Zotero là, avec Zotfile. Voilà, bon, comme vous n'avez pas suivi, mais ceux qui ont suivi là savent comment on fait. On peut nommer uniquement par le nom de l'auteur et la date de publication. Donc, quand on va télécharger tous les documents là, ça va les renommer nom de l'auteur, date de publication, nom de l'auteur, date de publication. Du coup, quand on va importer, c'est comme ça va venir. On pourrait même dire de mettre entre parenthèses le nom de l'auteur, la date de publication, comme ça, sous cette forme-là, entre parenthèses. On peut tout définir dans Zotero avant même d'importer dans QDA Miner pour faire ce qu'on a fait là. Et à ce moment, quand on va faire ce qu'on vient de faire, c'est comme ça allait venir. Donc, ici, par exemple, vous voyez, nous, on sait que telle cotation-là, on a pris ça chez Intel. On a emprunté ça chez Aliou et Ali, par exemple. Donc, pour rédiger, on pouvait même dire selon Aliou et Ali 2021, quand on entend les résultats, et ainsi de suite. Voilà, c'est notre travail qu'on est en train de faire. On paraphrase maintenant et on finalise le reste de la rédaction. Est-ce qu'on se comprend? Ensuite. Voilà. Ici aussi, même chose. Ce qui fait que c'est bon de garder les titres, comme je l'ai expliqué. Par exemple, si... Bon, je vais même le faire. Pour pas, on va trop traîner. Si je voulais y dire ici, je vais dire selon Aziz Abab. Bon, je vais... Ou bien, si c'était une citation de fin de truc, je viens carrément à la fin. Ici, par exemple, je vais citer l'auteur. Je viens dans l'extension là, ici, Zotero. Je clique citer. Tu vois, c'est ça qui fait que nous autres, on se perd. Ah. Parce que aller de l'élémentaire au sophistiqué, la même séance là. C'est pas sophistiqué. À un moment donné. D'accord. C'est pour expliquer un peu l'importance d'avoir les titres des documents. Oui. Si je vais faire cet exemple-là, vous allez comprendre pourquoi moi je préfère nommer avec les titres du document en même temps. OK. Ça va ouvrir, vous allez voir. En train d'ouvrir Zotero pour citer. Et je choisis seulement le style bibliographique. C'est le style APA 7e édition. Je vois que ça me convient, c'est en français, j'ai dit oui. Je fais OK. Je tape, je cherche l'auteur là. Oui. Voilà. C'est en train de fouiller. Vous voyez ici, Zotero est en train de fouiller les auteurs qui ont ces noms là. Voilà, vous voyez que ça me propose des articles des auteurs qui ont le nom Azizi. Par exemple, dans notre exemple ici, vous voyez que l'auteur là a publié plusieurs documents. Les effets des contraintes financières sur la dynamique des investissements. Ensuite, il y a l'atténuation des contraintes financières sur les entreprises familiales et ainsi de suite. Mais c'est pour 2018 là que nous on a cité. Voilà. Donc, on choisit. C'est pourquoi il fallait avoir les titres du document pour connaître. Souvent, il y a un auteur qui peut citer, qui peut publier deux articles dans la même année. Donc, on se contente seulement de l'année, on ne pourra pas se retrouver à la fin. Donc, vous voyez que j'ai choisi Azizi et Abab. Je fais entrer. Je fais seulement entrer. Et voilà, ça vient de citer à la fin de la cotation. Ça a donné la source, la référence. C'est bon? Si on remonte un peu en haut, bon, je vais mettre ça en jaune. Si on repart ici, voilà. C'est bien ça, c'est ce document. Il s'agit bien de ce document, Azizi Abab 2018. Les effets des contraintes financières. Donc, moi, je vous conseille de laisser comme on l'avait fait durant la formation sur Zotero. Ça veut dire qu'on avait déjà nommé
auteur, date, titre du document. C'est mieux de garder comme ça parce que par la suite, ça vous facilite le travail. Voilà. Ça vous facilite vraiment la citation dans la suite de votre rédaction. Donc, comme vous l'avez dit, on ne va pas combiner les formations. On va laisser ce qu'on est en train de faire. On va laisser d'abord finir avec ça. Et quand on va arriver maintenant au stade de la finition pour faire la rédaction et puis citer les sources, là, on va revenir voir comment il faut citer les sources avec Zotero. Je pense que c'est mieux comme ça. Donc, je vais récapituler. D'abord, on va créer notre projet. Je vais prendre par exemple nouveau. Et pour créer le projet, on va créer à partir des documents, puisque nous, on a les documents PDF de nos articles. Donc, on va cliquer et on part chercher où se trouve notre dossier, notre dossier PDF. On part choisir la source, on importe directement l'ensemble du dossier qu'on a déjà préparé. Je clique sur importer et il y a des options d'import. On choisit, on clique, on valide, ça va importer. Je vais annuler. Revenir là où j'étais. Voilà, ça va importer l'ensemble de nos documents ici dans PDF Miner Lite. Et quand ça importe, ça les nomme comme des cas parce qu'en réalité, ce n'est pas un logiciel d'analyse bibliométrique. C'est plutôt un logiciel d'analyse qualitative. Voilà, donc. Quand ça importe les documents, c'est comme si c'était des entretiens que vous avez réalisés et puis retranscrits. Donc, ça nomme ça comme des cas. C'est nous, on est en train de transformer pour en faire un outil vraiment de revue de littérature. Sinon, ce n'est pas, c'est pas un outil de revue de littérature. Voilà, mais on va l'exploiter comme tel. Et si ça vient maintenant, on pouvait créer nos codes ici. On fait clic droit seulement, ajouter code. Créer l'ensemble des codes qu'on va utiliser. Et là, maintenant, après maintenant, on allait faire la codification, mais tout ça, ça ne nous intéresse pas. On n'est pas en train de faire l'analyse qualitative des données. Si on importe nos documents, on vient seulement dans l'onglet rechercher. Nous, on veut rechercher des textes dans l'ensemble de nos documents-là. On clique sur rechercher et il y a plusieurs unités de recherche. Ou soit on veut rechercher dans une phrase, ou bien on veut rechercher dans les paragraphes, ou bien dans les documents. Les documents, ce n'est pas important. Ça, ça ne nous intéresse même pas. Nous, pour la revue de littérature, c'est, moi, je vous conseille de prendre dans paragraphes. Parce qu'on va choisir dans les paragraphes, là où les expressions qu'on veut là se retrouvent. Et maintenant, pour la syntaxe, ça veut dire que comment faire les requêtes? On a vu qu'on pouvait faire directement les requêtes avec les opérateurs booléens là, les AND, les OR, les voilà, ainsi de suite. Mais pour faciliter même le travail, c'est mieux d'utiliser les thésaurus pour faire la recherche par thésaurus. On clique ici, on crée nos thésaurus. Si par exemple, il y a quelle autre thématique? Et par exemple, je vais dire, je vais nommer EF succession. Je vais, voilà, succession, c'est bon. Et dans succession, moi, je vais rechercher tout ce qui a lien avec transmission, je fais entrer les mots succession, ça fait partie de ça fait partie des mêmes catégories. Je vais même prendre pérennité. Transfert aussi. Transfert. Donc, j'ai créé la catégorie. Donc, j'ai créé la catégorie EF succession. Dans thésaurus, si je vais fermer d'abord. Si je vais rechercher entreprise familiale, j'écris entreprise familiale. Et on aurait dû même faire en anglais aussi. Hein. Si, par exemple, les documents, là, c'est en anglais et puis en français. Les mêmes expressions qu'on a mis en français, là, on les retranscrit en anglais aussi. Donc, ici, là, je veux la combinaison entre entreprise familiale et puis succession, transmission, pérennité, transfert. Donc, je prends N. Si je voulais entreprise familiale ou bien family business, j'allais prendre OR, l'opérateur OR. Donc, en ce moment-là, je viens ici, dans Thésaurus, et j'ai choisi EF succession, la catégorie succession.
J'ai dit insert. C'est bon? Et en ce moment, je lance la recherche. Ça a trouvé 14 résultats. Voilà notre expression. Et le nombre de résultats trouvés s'affiche ici. Vous venez dans résultats de recherche. Voilà, ça donne sous cette forme. On peut même afficher ici sous forme tabulaire comme ça. C'est bon? Pour nous donner déjà un aperçu. C'est ça. C'est ça. Et on circule pour regarder. On exporte maintenant. Voilà, on exporte maintenant au format Excel, bien sûr. Chaque fois, il faut exporter en format Excel. Vous gardez ça par défaut. Je vais prendre EF Performance, mais cette fois-ci, je nomme 3. Et j'enregistre. C'est pas succession qu'on a pris. Oui, mais bon. Ce n'est pas... C'est le contenu qui compte. Voilà. Voilà, on vient d'exporter. Et dans Excel maintenant, vous voyez la première colonne, la colonne nommée K. Ça ne nous intéresse pas. On supprime. La colonne variable jusqu'à nombre de résultats, ça ne nous intéresse pas. Je supprime. Voilà les deux qui m'intéressent. Cette ligne, par exemple, ne m'intéresse pas. Je peux supprimer. Donc, dès ici même, vous pouvez revenir encore pour arranger ce qui vous intéresse, ce qui est pertinent, vous gardez. Voilà. Donc, pour amener ça dans votre document Word, on sélectionne ici. On fait CTRL-SHIFT, la touche directionnelle vers le bas. Ça sélectionne tout. CTRL-C pour copier. Et puis, venez dans Word. Je vais prendre un nouveau document, Word. Dans Word maintenant, pour coller, on ne colle pas comme ça. On fait collage spécial. Texte sans mise en forme. Et on fait OK. Et là maintenant, on arrange notre document. Je vais sélectionner, justifier. Voilà. On peut commencer maintenant notre travail. Donc, chaque fois, le titre du document se trouve au tout début. Et c'est séparé même. Il y a l'espace même. On pouvait même s'amuser, faire entrer. Ça veut dire que si vous voyez la première phrase et à la fin de cette phrase, voilà, vous voyez espace là. Il faut savoir que c'est le titre. Soit vous mettez en gras, soit à chaque fois, vous faites entrer. À partir de l'espace là seulement, vous faites entrer. Et là, vous allez vous retrouver. Vous savez que c'est tel document. C'est le titre, le nom de l'auteur, l'année et puis le titre du document. Voilà. À chaque fois, je fais entrer. C'est bon? Donc, on a fini avec la cotation. Le reste maintenant, c'est de paraphraser et puis arranger notre rédaction, tout simplement. Vous pouvez même garder comme ça. Après, on va revenir voir comment on fait les citations avec Zotero. Parce qu'il y a déjà Zotero ici. Voilà, vous pouvez arranger ainsi de suite. Okay. Selon tel l'autre auteur, selon les travaux d'un tel publié en telle année. Voilà, ainsi de suite. Vous arrangez seulement et puis vous faites la rédaction pour mettre les liens. Et puis une autre chose, dans la rédaction, avant d'exporter là, on pouvait même arranger déjà à partir d'ici, hein, Excel là. Vous voyez, je pouvais m'amuser à insérer une colonne, une troisième colonne, pour mettre, bon, je vais même noter sa position. C'est un exemple, quoi. Et là, si je lis ici, je vois que ça soutient. Ça veut dire que je peux utiliser ça comme argument. Je mets argument. Par contre, si je lis, si c'est un exemple que la personne est en train de donner, je mets exemple. Et dans la rédaction, on peut même filtrer après, en fonction de tout ça, avant d'exporter. Du coup, si je prends la thématique, je sais tel passage-là, je peux l'utiliser comme argument dans ma rédaction. Tel passage, je peux l'utiliser comme exemple, et ainsi de suite. Est-ce que vous voyez? Ça me permet de structurer un peu ma rédaction déjà, quoi. Et après, quand on exporte sur...
Sur Word. Sur Word. Voilà. Est-ce qu'on peut exporter avec... Oui, au lieu de copier deux colonnes, troisième vous, copiez trois, vous copiez trois colonnes. Mm-hmm. Ça vient dans l'ordre. La première colonne-là sera en tête, la deuxième colonne va suivre, la troisième colonne va venir à la fin. Est-ce qu'on peut particulier... Est-ce que déjà dans Excel, là... Mm-hmm. On peut même filtrer par argument. Par exemple, c'est ça la question, hein? Non, non. Ah, OK. Donc, allez-y avec la question. Je veux dire, est-ce qu'on peut mettre une couleur particulière, par exemple, à argument, à exemple? C'est de ça que je parle. Je vais dire, par exemple, ici, je vais mettre ça là encore, argument. OK. Ce qui va suivre là, je vais mettre argument. Comme exemple, je mets argument. Je mets ici encore argument. Et exemple là, je vais me limiter à deux. Voilà. Je prends ça. Voilà. Et là, je mets sous forme de tableau. Ça comporte des entêtes. Et vous voyez ici, je filtre seulement tout ce qui est argument. Vous voyez? Ça, tout ce que j'ai considéré comme argument là, c'est ça que je viens de filtrer. OK. Et c'est ça que je vais copier à menu d'abord. C'est bon? Je copie l'ensemble de mes arguments. Je peux même les amener ici pour que vous voyez un peu. Voilà l'ensemble des arguments que j'ai copiés là. Je vais les envoyer dans mon document Word maintenant. Là, dans ma rédaction, sur la thématique, moi, je sais que ce que je viens d'importer comme ça, ça, ce sont les arguments. Je mets même. Et maintenant, je colle pour l'aide spéciale. Texte sans mise en forme. Et OK. Vous voyez? Ce sont les arguments là que je viens de copier et coller. Ça répond à votre question, non? Oui, c'est ça. Voilà. Donc, dès Excel même, vous pouvez faire comme ça. Si, par exemple, c'était un article qu'on était en train de rédiger, je pouvais même faire et puis voir les parties que je vais utiliser dans l'introduction, les parties que je vais utiliser dans la méthodologie, et ainsi de suite. Là. J'allais créer la troisième colonne là pour mettre déjà catégoriser comme ça et puis filtrer au fur et à mesure, envoyer les éléments là où il faut. C'est bon? Je crois que... Oui, c'est bon, c'est bon à mon niveau. OK. Donc, vous essayez d'installer. Je vais vous envoyer... je vais compresser des dossiers avec la documentation là, vous envoyer. Avec, en tout cas, un plan de rédaction. Voilà, vous allez prendre thématique par thématique, faire les recherches, faire les quotations et puis les classer. Mais on n'est pas arrivé à la paraphrase d'abord. Non, laissez paraphrase là d'abord. Laissez les paraphrases. Faites les quotations d'abord. Comme vous avez dit, il ne faut pas on va mélanger. Faites les quotations. Après d'avoir fait les quotations, et maintenant, après, on va voir comment paraphraser. Après la paraphrase, maintenant, on va voir comment citer les sources. Parce que la paraphrase, pour moi... Je vois. Vous voulez aller vite. Très rapidement. Mais allons d'abord avec ça. Oui, ça, c'est d'autres outils. C'est d'autres outils. Il ne faut pas on va combiner les outils. Faites d'abord avec par ça. Par rapport à ça, là... Oui. Non, on a qu'à se comprendre. Oui, on se comprend. Se comprendre parce que l'expérience que moi j'ai de la recherche, c'est vraiment colo-colo, quoi. Tu attaques le document du gars. Oui. Et tu lis, tes yeux rougissent et puis tu et voilà, jusqu'à la fin. Et tu trouves ce que tu veux trouver dedans.
Voilà, et puis ce n'est même pas prendre comme ça, mais déjà, toi, le travail de paraphrase là, c'est toi-même qui le fais colo-colo comme ça. Ça, c'est l'expérience. Ah, mais non, c'est non, comme non. ça. Nous, on a des outils pour ça, il ne faut pas vous en faire. J'avais programmé une formation, mais il n'y a pas eu assez de participants, on a annulé là, je ne sais pas si vous vous souvenez. Oui. On devait travailler uniquement sur ces outils-là, comment paraphraser et puis comment citer les auteurs. Donc, il ne faut pas dévancer. On a déjà nos outils. On va en arriver. Faites d'abord ça. Non. Après, on va voir maintenant l'étape suivante. OK. Oui. Oui, bon, Défé. Oui. Ici, là, c'est vrai que son inquiétude est fondée. Mais on va aller doucement, doucement. Par exemple, quand on prend ce qu'on vient de faire là, là où moi je trouve qu'il faut qu'on s'exerce beaucoup, c'est au niveau de la cotation là. Là où la formulation des requêtes. Formuler et puis lancer. Voilà. Non, ça c'est pas un problème parce que ce que je vais vous envoyer là. Voilà, si on maîtrise. Ce que je vais vous envoyer là, c'est, il y a déjà les éléments. OK. Et puis il faut installer Antidote. Il faut installer Antidote. Vous avez Antidote, les setup des Antidote, non? Bon, ça doit être quelque part. D'accord. Même si ça n'existe pas, je vous envoie les liens. Je vais vous envoyer les liens. Vous allez installer Antidote. Parce qu'Antidote, c'est vraiment un outil incontournable. Tout ce qu'on est en train de faire là, il faut ça. Effectivement, vous voyez, succession, il y a successeur. Successeur, quoi. Par exemple, dans Antidote, vous suivez un peu. Quand j'ouvre Antidote là, vous voyez qu'il y a dictionnaire. Il y a plusieurs dictionnaires dedans. Il y a dictionnaire des définitions, il y a dictionnaire des synonymes, antonymes, des combinaisons. Voilà, ainsi de suite. Les mots de la même famille. Est-ce que vous voyez? Donc, Antidote est incontournable si on veut vraiment poursuivre notre travail de rédaction académique. Bon, Nabo. Donc, avec Antidote, vous voyez par exemple, quand moi je vais vous envoyer les thématiques là, vous allez prendre par exemple les mots. Si vous prenez le mot successeur, ou bien le mot, un mot par exemple, vous allez rentrer dans le dictionnaire des synonymes. Donc, ça veut dire qu'avec le dictionnaire Antidote, pour créer vos thésaurus là, vous allez ouvrir le dictionnaire Antidote pour chercher les synonymes. Pour chaque mot, pour chaque thématique qu'on va traiter, vous cherchez les synonymes avec les dictionnaires dictionnaires des synonymes dans Antidote. Mais moi, j'ai une question pertinente quand même. J'exploite, ça c'est une question d'expérience, je n'ai pas trop de choses dans ça. Et j'ai, par exemple, pris des documents purement en anglais. Je les ai exportés. Avec mon anglais, je sais que je peux comprendre le contenu du texte. Tout à fait. Et après, je me rends compte que je ne suis pas en train de traiter une thèse en anglais, mais plutôt en français. Français, oui. Alors, c'est moi, ma traduction qui compte ici, ou bien comment je fais pour ramener en anglais? Est-ce qu'il y a un logiciel aussi pour ça? Qui est reconnu par le monde scientifique. Oui, vous pouvez traduire avec DeepL, DeepL ou bien Reverso. Les gens utilisent soit DeepL, traducteur, soit Reverso pour traduire. Par exemple, les cotations qu'on vient de faire là. Oui. On peut les ramener en français, les passages qu'on a eu en anglais là. Si nous, on veut rédiger en français, là, on va les traduire en français, bien sûr. Mais on garde la substance. Oui. Et on cite l'auteur, puisque ce qui va constituer le plagiat, là, c'est que c'est l'idée de quelqu'un que vous avez pris et vous n'avez pas cité. Ça, c'est du plagiat. C'est ça. Mais même si la personne a publié en anglais ou en espagnol, il faut les citer, puisque ça vient de lui. Oui, oui. Voilà. Donc, vous citez. Maintenant, après, je mets dans la traduction. Est-ce que... est-ce qu'on tient compte, est-ce qu'il y a une, je ne sais pas, il y a une règle de traduction en recherche scientifique ou bien tout simplement j'ai traduit
J'ai traduit point. Je cite la personne et je continue. C'est tout. Puisque ou bien il faut dire non. Vous voulez faire passer. OK. Voilà. Et l'idée là vient d'un tel, d'un espagnol. Uh-huh. Voilà. C'est comme si dans le langage courant, vous allez dire selon Fidel Castro. Uh-huh. Et vous donnez la citation. La citation de okay. Fidel Castro, là, vous êtes en train de dire ça en français. Oui, mais oui. Vous avez donné la source Fidel Castro qui est espagnol. C'est ça. Voilà, c'est la même chose. Voilà, bon, Fidel Castro, c'est un Cubain. Qui a parlé en espagnol. Uh-huh. Mais il est Cubain. Uh-huh. Voilà, c'est la même chose. Vous avez pris l'idée, okay. Vous avez emprunté l'idée, mais vous donnez la source. C'est la source, okay, c'est trop que la source, là, c'est un espagnol, un anglophone, un italien. Ça ne pose pas mm-hmm. problème. D'autres citent des Chinois ici. Mm-hmm. Mais ils ne parlent pas chinois. OK. Voilà. C'est bon. Oui, oui. Ça peut aller. Oui, c'est bon. Bon. La dernière fois aussi, je vous avais demandé d'installer Citavi. Mais bon, c'est déjà bon. Hein. C'est quoi on appelle là? C'est déjà bon. On n'aura pas besoin de Citavi pour le moment. Mm-hmm. Voilà. Par la suite, on verra comment utiliser tout. La combinaison de tout ça, Zotero, Antidote, Citavi, bon. On verra ça par la suite. En tout cas, il faut installer tous les outils que j'ai proposés pour faciliter la rédaction là. Il faut les mm-hmm. installer. Je crois que c'est bon, hein? OK. Oui, ouais. Je vous envoie les lots de documents à exploiter avec les plans. Et mm-hmm. pendant ce temps, vous pourrez installer Antidote. Il va nous servir à retrouver les synonymes, les dictionnaires des synonymes. On va utiliser pour trouver les synonymes de tous les mots qu'on veut rechercher et consulter notre thésaurus. Okay. Voilà. Tu as déjà le setup, non? Les antidotes? Hmm. Oui, je vous avais donné, mais si vous n'avez pas, je vous envoie les liens, vous téléchargez. Bon. C'est pas mieux? Moi, je sais que je l'avais installé, mais maintenant... Mm-hmm. Comme tous ces trucs-là... La machine avait eu un problème, donc ça c'est... Voilà, compliqué. Tout a été nettoyé là. C'est ça. Donc, ça, je ne peux plus compter sur tout ça. Il n'y a pas de souci, je vous envoie alors. Mm. OK. Je crois que il est midi passé même. Hein. Ah, mais c'est ça, professeur. Quand tu mets les cours là, il faut savoir que les gens ont faim. Et il est l'heure pour eux-mêmes non, passer depuis. Pour eux, c'est 11 heures. Non. Pour eux-mêmes, c'est 11 heures. Ils ont bu leur gapal, on n'a rien dit. Les gens sont en train de boire leur gapal. Leur gapal, on n'a rien dit. Maintenant qu'il est l'air de... Non, Kaya n'a pas de droit. À chaque fois qu'on organise une formation, tu n'as pas suivi. Il n'est pas tout le monde. Ça va terminer à 16h. Non, mais ça c'est un problème technico-technique. Je vais arrêter le partage d'écran. Ah ah. OK. Ça marche. OK. D'accord. Les deadlines maintenant. Les deadlines, je vous envoie dans 10 minutes, je vous envoie les documents. Ah uh-huh. Plus les liens pour installer Antidote. Hum uh-huh. Et puis, les restes maintenant, ça vous... Non, je ne vais même pas dire deadline, mais next step. Next step, c'est de faire le travail. Les documents que je vais vous envoyer avec les plans, là, vous allez prendre ça comme exercice mm-hmm. pour traiter pour chaque point. Mm-hmm. Vous allez faire les quotations dans les documents. Mm-hmm. Venir... amener ça dans Word comme on l'a fait, mm-hmm. exporter en Excel puis transposer ça dans Word comme on l'a fait, mm-hmm. et vous garder comme tel. C'est-à-dire vous arrangez tout. S'il y a lieu même d'arranger la rédaction là, vous arrangez tout, mais vous gardez mm-hmm. les titres des auteurs et puis des documents. Et si possible, on se retrouve le soir. C'est un week-end, hein? Mm-hmm. C'est un week-end, hein? Ce soir, aujourd'hui là. C'est mieux demain. Ah, tu veux stresser les gens dans le week-end? Non, demain. Donc, on se retrouve demain. Mm-hmm. Bon, de toute façon, on va s'appeler. On se retrouve demain pour la suite, quoi, pour voir la finalisation de la mise en forme et puis les paraphrases et puis les citations.
Voilà. D'accord. OK. Donc, merci bien. Et bonne suite. Merci. Voilà. Tout à l'heure. Merci bien.